Les anglophones, les nominations sont. Men Take. Chemical City, Sam Roberts. MTV Hard Rock Live, Simple Plan. Learn to Smile Again, Suzy Arioli Band. Mississippi Rolling Stone, Nanette Workman. Dans la catégorie album de l'année anglophone, le chanceux qui s'en va à Forestville est Simple Plan, MTV Hard Rock Live. Félix, je ne m'attendais pas à ça. Forestville nous attend, La Galvaude aussi. On est des petits culs de banlieue qui avaient un super gros rêve, puis ça s'est comme réalisé un petit peu plus grand qu'on pensait. Je suis vraiment ému parce que j'aurais jamais pensé tenir un Félix dans mes mains. Il y a quelques années. Ouais, attends, tiens un peu. Il y a quelques années, ça aurait été même pas possible. On n'était même pas éligible. La disque a été très ouverte d'esprit cette année. Et on a changé les règles pour. Pour permettre à des groupes comme nous d'être nominés, alors, puis de gagner. Donc, on fait le tour du monde, on s'amuse super gros, on est vraiment chanceux. Puis en plus, on est reconnus au Québec, donc, wow! On est très fiers. Il y a beaucoup de gens aussi qu'on devrait remercier. Moi, j'aimerais remercier Mitch de Warner, notre compagnie de disques à Montréal. Musique Plus nous ont toujours supportés depuis le jour numéro un aussi. Puis, ben, comme il dit, on est des petits culs, t'sais, moi je viens de Matane, puis même si le monde m'appelle la crevette, je suis quand même très fier. Parce qu'ils sont bonnes, les gens les reconnaissent. Alors, merci beaucoup, puis ben, Men Take, on va vous rapporter du sushi du Japon, nous, exactement. Puis, une dernière chose, c'est notre album live qui a gagné, donc c'est comme si nos fans gagnaient avec nous, alors ça veut dire beaucoup pour nous ça aussi, alors merci beaucoup. Puis Sam Roberts, je l'adore, moi, alors...